think it's time to blow this thing. Get everybody in the step together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bien, salut à tous et à tous, c'est les Flambis Soviétiques. On est de retour sur la découverte de Metal Gear Solid 4, Gun of the Patriot et un tout petit tactical espionnage action. Voilà, donc c'est parti. Écoutez, le jeu qui est sorti en 2008 par Konami, fait par le grand, le magnifique Ishiroda. Ishiroda, qu'est-ce que je raconte? Kojima. Ishiroda, c'est One Piece, parce que je regardais une vidéo de One Piece juste avant, c'est pour ça. Bref, donc c'est parti. Alors déjà, je vais aller dans le dans les options. Tout ce qui est son, vidéo, affichage. Where is the son? Ah, volume de sortie externe. Putain, je l'avais trouvé. Voilà. On va le mettre à 4. Ah, il y a une album photo, Metal Gear Solid 4, ok. Zone virtuelle, d'accord. Extra, installé. Service supplémentaire. Alors, on va aller au menu des services supplémentaires, écoutez, on va voir ce qu'il y a. Waouh, se connecter au réseau, appuyer sur X. Connexion au réseau, waouh. Ah, bah oui, c'est vrai que les serveurs n'existent plus. C'est vrai, du coup, ouais. C'est vrai que... Ah, mais c'était peut-être pour faire des parties de MGO, du coup. Non? Si c'est des extras, peut-être que c'était là où on pouvait faire des parties de MGO. Bon, alors on va faire une nouvelle partie. Naked, Liquid, Solid, Big Boss. Putain, difficile quoi. Pour les joueurs qui n'aiment pas la facilité. Je comprends pas, il y a deux niveaux normal. Et je comprends pas, il y a Naked qui est normal et il y a normal. Pour les joueurs qui n'aiment pas la facilité, pour les joueurs habitués aux jeux d'action niveau normal pour la version américaine et européenne. Ah, parce que ça c'est la version normale japonaise, c'est ça? C'est pour nous dire que les japonais sont plus merdiques? Je comprends pas. Bon, ça on s'en bat les couilles. du coup j'hésite. Naked ou Solid? Amstram, Gram, ce sera pas toi au bout. 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, on va faire Solid. Oh là, ça fait. On va faire. Waouh. Alors, chargement. Alors, on va mettre le son du jeu un petit peu plus fort au cas où si vous n'entendez pas. Oh, on voit des catcheurs. Vous me dites pourquoi il y a des catcheurs là Cet entraînement révolutionnaire de recrue a été inventé par le sergent instructeur lorsqu'il était au camp d'entraînement. Perdre du poids et se muscler pendant son temps à l'armée, appelé ça complémentaire de ce programme unique de perte de poids. Ah d'accord, ok. Adapté à chaque type de corps, à chaque physique, vous rêvez d'un corps musclé parfaitement unifié. Le sergent vous permettra d'obtenir ce résultat rapidement. Appuyez sans plus attendre, appuyez dans les 10 prochaines minutes et recevez gratuitement 2 nanopacks. Les nanos ont permis, vous avez été intéressé. Après la naissance de mon bébé, j'avais gonflé, je n'avais plus me regarder dans le miroir. Je n'ai jamais mon apparence physique et donc je n'aime pas mon bébé. D'accord, ok, pas tiens. Est-ce que j'ai mis le bon jeu du coup? Parce que là, là je me pose des questions. C'est Metal Gear ou c'est Thibaut Inchap là? Là c'est Thibaut Inchap, on fait quoi là? On fait du workout? Il se passe quoi? Est-ce que vous entendez bien? Attendez, je vais mettre le son du jeu un petit peu plus fort du coup. Ah merde, j'ai passé du coup, je sais pas s'il fallait passer. Parce que bon, voir des mecs qui font du sport H24 c'est sympa mais... Ah, corps blindé, écoute le bleu, le sergent ne veut pas te voir dormir. Changer.
C'est des chaînes, d'accord. Écoutez le bleu. Non mais. C'est quoi ça? Le grand talent hollywoodien. David Hayter analyse les stars. Ah non mais putain, il y avait David Hayter. Waouh. Waouh, il tue des statues, j'ai envie de te dire. Toujours en plein dans le mille, d'accord. Ah, ah, il y avait des. Oh, il y avait. Ah, ok, c'était un. Ah, c'était le chargement. Ah, c'est ça les trucs de chargement. Non, ah, c'est bien ça, putain. Zapper des chaînes comme ça, je savais pas qu'on pouvait le faire. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Ah, franchement, j'aime bien. Appuyez sur la touche start. Alors, dans un futur proche, un champ de bataille dévasté, la guerre est devenue une chose banale. Parce que War has changed. Je sais pas si vous entendez bien le jeu, du coup. Je sais pas si vous l'entendez assez bien. Du coup, j'ai mis le son un petit peu plus fort pour vous l'entendre. Je sais pas quoi ça va être le rendu. Hideo Kojima Game. David Hayter. Bon, ouais, y a tous les noms qui passent. Un corbeau. Patrick Zimmerman. Jennifer Hall. Hell, Hall. Moi je le dis en français, rien à foutre. Christina Pusselli, Christopher Randolph. Bon alors j'ai lu un petit peu le mode d'emploi, tu sais, les modes d'emploi qu'il y a dans les jeux vidéo à l'époque, parce qu'aujourd'hui maintenant on n'en fait plus, c'est abusé. À l'époque on faisait un. Tu sais, on faisait un petit bouquin dedans pour t'expliquer les touches, comment ça marche et tout. Et un petit peu l'histoire, et en gros là, en gros c'est on doit infiltrer un truc de rebelle pour voir ce que va préparer Liquid Ocelot, parce que c'est celui en fait qui a le plus de milices à sa botte, et je crois qu'il veut renverser je sais plus quoi. Attends, je vais le relire. Hop, je sors le manuel. Maintenant je vais essayer de lire le truc. Wow, it's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles. Ouais, en fait, il veut faire une insurrection, je sais pas contre qui, mais voilà. War and its consumption of life voilà. Has become a well-oiled machine. Voilà. War has changed. ID tag soldiers carry ID tag weapons, use ID tag gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, ah bah, putain, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. Un beau message, un très très beau message. Has changed. The age of deterrence. Ah, de dissuasion est maintenant l'ère du contrôle. All in the name of averting catastrophe causée par des armes de destruction massive. And he, who celui qui contrôle le champ de bataille, controls contrôle l'histoire. Ah. War has changed. Un war has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. Ah ouais. J'avoue que la guerre, quand ça dure, ça devient la routine. Enfin, c'est lourd. Y'a qu'à voir ce qui se passe en CD pour comprendre. Depuis 2013, c'est la guerre là-bas, on fait rien pour. Hein. Je vais te dire, les mecs, ils connaissent. Oh, une AK! Oh, j'adore. Oh oui. Oh, on a une AK-47 et tout. Oh là là. Oh là là. Ta, ta, ta. Et là, fait... Ah, mais c'est de la merde. Ah putain, c'est de la merde. On a retrouvé Quiet MDR. MDR, on a retrouvé Quiet.
Alors, attends, ça c'est les objets. Oh, ça rappelle un truc ce mouvement de couteau là. Ah, c'est le mouvement qu'on fait dans le jeu. Ok. On fait une roulade comme ça. Comment on fait pour se blesser? Ah, ok, c'est ça. Ok, on doit passer ici. C'est vrai qu'il n'y a pas de tuto, apparemment, je crois pas. Donc, du coup, il faudrait brûler le truc de mode d'emploi parce que. Hideo Kojima! Shuji Murakara! Encore Hideo Kojima. Use the RPG. Ah, arme acquise, AK. Attends, préparez la sélection des armes dans le menu. Alors, préparez-le avec la touche L1, tirez avec la touche R1, d'accord. Appuyez sur la touche triangle pour utiliser la visée, ouvrez la fenêtre, arme, et appuyez sur la touche triangle pour permuter entre les modes auto et semi-auto. 1, ouvrez la fenêtre, d'accord. Ah, parce que oui, il faut que j'utilise. Ah, ok, je sais pas ce que je voulais faire. Ah bah j'ai retourné, d'accord. C'est toujours une mission d'infiltration. Les mêmes règles, machin. J'ai rien compris. J'ai pas eu le temps de le lire, magnifique, joyeux bonheur. Allez, c'est parti. Ah d'accord, en fait tu allais juste avancer. Et on va te dire j'ai un couteau, je pars à la guerre avec le couteau et ma bite, et c'est bon. Avec ma bite et mon couteau, on va tuer les gens. J'ai ramassé une AK, je sais pas comment l'utiliser alors bon. On va te dire, c'est pas grave. Ah, il se passe un truc. Putain, et moi avec mon couteau quoi, non mais. Ah, je sens qu'il va se passer un truc là. En tout cas, la mise en scène, putain, elle est bien faite. Hein. Franchement, mise en scène, elle est réussie hein, pour l'instant. Wow, what? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mon gars, mais wow. Ah, je veux bien que les nanotechnologies, ça fasse des trucs, mais là... Oh là 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 là. Head north and try not to run into any echo along the way. Donc, faut pas se faire repérer, alors on va essayer de. J'ai qu'un couteau alors je pense que. Fight, c'est un peu compliqué. Ah, est-ce qu'il y a des trucs là-haut?
Hop là, on passe là. Ok, c'était par là qu'il fallait aller, d'accord. Très bien, très bien. Snake. Ah, j'ai ramassé un flingue. Je sais pas d'où il sort, mais... Voilà. Wow. Ah, t'as bouffé tout et tout? Ah ouais, d'accord. Ouais, ça meurt rapidement quand même. Hein. Ou quoi? Ah, il s'est retourné, il est trop con. Oh là 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 là. Ah ouais, non, oui, mon gars. Waouh. Cette combinaison moulante. David. Je me demande s'il va y avoir des QTE. Ah, boulot. Ah, 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 j'ai vu le carton de loin. Il y a le carton. Il y a le fameux carton. Et là il va monter, il n'y aura plus personne. Ah non, il se met pas dans le carton. Ah putain ouais, ok. Ah ok, le fameux carton. Il faut genre qu'il est dans le carton alors que non. Ah, y'a un truc, on sait pas ce que c'est. The place for Ideo. Pas de place pour Ideo MDR. Ah, ça se trouve, genre, c'était Ideo Kojima. Ah là 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 là. Des pastèques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font caca? Je sais pas comment ils font des. Putain, ça se. Oh, ce truc quand même, hein. Ah ouais, c'est des grenouilles en fait. Ah. No place for Ideo. Ouais, en tout cas, il est beau, il est beau. Il a pas à dire pour 2008, en vrai, il claque bien sa mère. Metal Gear Solid 4. Metal Gear. Là, je parle pas beaucoup parce que putain, c'est fou. Oh, c'est, putain, il y a des trucs de fou, quoi. J'ai envie de te dire. Tellement que c'est fou, quand je joue une cinématique, je parle pas. Je regarde, je fais wow, 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 wow. Ah! Un copain. Tiens, je mets ma cigarette dans la petite boîte. Parce qu'il faut pas jeter les cigarettes par terre, attention. MDR. MDR, le... Ah là là, mais ça c'est du Kojima, ça. Y'a que Kojima qui peut nous faire des DR comme ça, avec notre place for Kojima sur la boîte et tout.
C'est comme les délires de cul, de boobs dans MSV. Ah, y a que Kojima qui peut faire ça, y a que Kojima. La grosse baleine qui bouffe un hélicoptère en feu. Ah, y a que Kojima qui peut faire ça. Hop, nouvelle sauvegarde. Oui. Sauvegarde en cours. Sauvegarder. Sauvegarde terminée. Sauvegarde des données. Ah, chargement. Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots, comme dirait les couilles de slot. Dans les vidéos du Hooper. Guns of the Patriots. Ah putain, le Hooper. J'ai envie de dire, YouTube has changed. Bon, ça fait déjà 20 minutes que. Ça fait la découverte déjà 20 minutes et pour l'instant, je le trouve assez sympathique. Hein, écoutez, je sens que j'ai bien amusé. Là, j'ai acheté 3 jeux. Putain, j'ai acheté FF15, j'ai acheté. Putain, faut appuyer sur touche start. J'ai acheté RE4, j'ai acheté ce jeu et franchement, les 3 pour l'instant. Ouais, franchement, j'aime bien. Franchement, là j'ai fait une bonne sélection de jeux. Je sais pas vous, mais moi, je les aime bien. Les autres aussi, mais là, je t'avoue que là, j'ai sorti des jeux. Pour l'instant, je m'éclate bien. Ah, faut appuyer sur X. Ah non, c'est la cinématique, c'est con. Waouh, un hélicoptère, c'est bien. L'hélicoptère de MGMV, les enfants. L'hélicoptère de MGMV. Oh mon dieu, mais ça serait pas Emmerich? Ah, mais non, c'est son fils. C'est Otacon. Otacon, Otacon. Even the dead have ears. Snake, we've got to go. Christopher, I've got an old friend waiting for you. Alors c'est avant ou après? Attends, parce que The test results. Je dis les résultats des tests. Proteome analysis was positive. But the mRNA analysis turned up negative. Des ARNM. Okay. The wrinkled skin, hardened arteries. Your early aging symptoms de look précoce. Like classic souviens un syndrome de Werner classique. But none of the tests mais aucun des tests n'a pu cibler la cause de façon préalable. Artère bouchée, bah putain. Et alors, voilà, tu vas bientôt mourir. Judging by how on va juger la progression du vieillissement, je lui dirais. Ah oui, c'est vrai, le vieillissement qui arrive. Un an! Au mieux! Ah putain, ouais. Chaud. Yeah. Ah, c'est chaud, quoi. Snake, let's try another doctor. It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Oh là là là. Not to mention Fox Die. Ah oui, le Fox Die. You're right. But we don't know where Naomi is. Naomi. Il y a le bouton X là, je sais pas quoi il sert. Je crois que je suis sûr que c'est pour passer, mais j'ai pas pu. Faudra qu'on m'explique le bouton X pendant les cinématiques si c'est pour passer parce que sinon je gueule. Good to see quoi? You. Well, I'm not a colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. Le mariage de ta fille. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council. Ah. The analysis and assessment staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake. SMP. I came across some information in my work. Ah. We found him. Oh. In the Middle East. Ah.
Aha. I'll explain along the way. We've got to stop him now. Before it's too late. Liquid's made his move. We found him. J'ai envie de te dire, c'est vrai que quand tu vois en profondeur les Kojimas, c'est vraiment une putain de claque graphiquement à chaque fois, c'est un truc de ouf. Même si il y a des jeux aussi, claque de ouf. Putain, c'est Kojima, tu passes du 4 au 5, il est fou, putain. Le prochain, là, Death Stranding, wow mon gars, mais ce graphisme de fou. C'est fou. C'est fou. Hop là. Only 2 eggs today. Solidus must have taken the day off. Solidus. 7, 8, 9, 5, 9, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2. Ça, c'est bien un truc la musique. 4, 6, 6, 5, 2. Ça, c'est pas la musique de. Putain, je crois que c'était la musique de Peace Walker, mais je suis pas sûr. C'est mer. Tout est dit. Je crois que c'est ça. Les œufs. Acte 1. Liquid Sun. Ou alors, c'est peut-être pas ça. Du coup, j'ai peut-être du mal à lire. Du coup, ça va faire 26 minutes. Je pense que à 30 minutes, je m'arrêterai. Pour un étude de découverte. Ah, on est de retour en Irak. Ah, le codec. Allô. Oh, ta conne. This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Brouille de lézard. AT Corps unmanned bipedal weapons. Officially designated Irving by the US military. Irving. They've spread like ils sont wildfire très répandus au sein des SMC et il y en a désormais plus en service que des tanks. Quoi? Abusé. Leur armure est résistante et ils sont particulièrement agiles, mieux vaut rester hors de leur champ de vision. Bah tu m'étonnes. Non piloté, bientôt les soldats en chair et en os seront au chômage. De Gecko pour ce scénario. Leur nombre dépasse largement le prix guerrier de sa. Ça va être lié à l'arrivée de Liquid sur le terrain. Mais je crois que les Gecko en japonais ça veut dire grenouille ou un truc comme ça. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça saute comme ça en fait. Le Gecko, je crois que c'est grenouille ou crapaud, un truc comme ça. Je vais regarder un petit peu. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'ils sautent comme des crapauds. Ah non, Gecko, c'est. Putain, je suis con. C'est un espèce de bizarre. Bon, écoutez, je pense qu'il aime bien les reptiles. Je pense que Kojima adore les reptiles. Wow, Praying Mantis. Dis donc. Wow. Attends, comment on fait pour viser déjà? Je crois que c'est L1. Ah oui, c'est L1. A sense of duty when the risk run high. Wow. Praying Mantis. Ah non, mais lui, il est mort. Ah mais on peut le retourner je crois. Wow. Ah du coup, ok on retourne les gens pour débloquer des rations quoi. Alors qu'est-ce qu'on débloque un petit peu? Ah oui c'est vrai qu'il faut incliner un petit peu pour marcher. Attends, non, mais non, nous vient de là. Ah, mais je peux revenir ici? Non, jure. Ah non, en fait, je peux me mettre à couvert. Hop, on se met à couvert. Ah, nice. Pas con. Et on peut ressortir comme ça, ok.
Ah. Oh, tu perds un char d'assaut. Oh putain, il y en a encore plus. Avoid unnecessary combat whenever possible. In this war, neither side is your enemy. Attends, ils sont en train de se foutre la gueule alors qu'ils sont ensemble. Got it? Oh, c'est quoi ça? Allez, laisse-toi, bro. Je pense que là, on va pas trop non plus s'attaquer contre des gens. Ah, boîte en carton! Yes! On a débloqué la boîte en carton. Aïe. On peut rentrer dedans. Ah, on a dit super. Pour presser la toile là. Huh? Hey. Tu m'as pas vu? Tu m'as pas vu? What's going on? Ok, bah les couilles. Ah mais en fait je vais essayer de passer par là. Ouais, j'aurais peut-être dû passer par là en fait. Déjà, toi les touches pour le suicide. Ah oui, c'est ça, voilà. Ah oui, les armes, c'est ici. Ah, vous êtes sûr que je suis en niveau de facile là parce que. Ouais, ils ont pas l'air d'être compliqués hein, putain, j'aurais peut-être dû mettre en 10. Ouais, je déconne parce que là, bon après c'est que le début du niveau, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, je ne connais pas la discrétion. Je ne connais pas la discrétion. Hashtag toi-même tu connais la discrétion. Ah ils sont en mode prudence, d'accord, ok. C'est toutes les questions additionnelles. Et c'est quoi les rations? Ah ok, c'est un sort de la liste. Ah, zone rouge. Ah, il y a une autre zone, d'accord, très bien. Je vois, je vois.
Ah oui, c'est pas là où on peut se mettre dans une statue, non? Ah oui, si, ouais, on fait la pose de la statue et tout. Ah, c'est génial! Oh, oh là 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 là, cette position! Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, merde, je vais niquer le sgeg. Bon, bah tant pis. Hop, il n'y a plus de sgeg. Ah, j'ai débloqué un trophée. Attention, fragile, d'accord. Premier trophée que j'ai débloqué, le hasard. Ah, il y avait un truc, une compresse, d'accord. Le hasard des choses. Le hasard des choses. Je vais niquer le truc, j'ai débloqué un trophée. Snake, press the crawl button while running to execute a roll. Rolling can help you dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. Allez, j'ai envie de te dire, c'est sympa. Oh ouais, ça va, il y a pas mal de possibilités à faire, de chemin et tout. Faut peut-être que j'y aille en CQC, moi. Who was that? Extrêmement nul, c'est magnifique, c'est le début du jeu les mecs. Je sais pas trop où je vais mais on y va. Ah, à mon avis, c'est pas par là qu'il faut aller. Putain, la map, elle est immense. Immense de chez... De chez immense. C'est un truc de fou, les mecs. Hop là, on se met accroupi. C'est parti, on y va. Ah, c'est pas par là qu'il faut aller. Ah, c'est par là. Non, c'est pas par là. Y'a pas un trou là, si y'a un trou là. Là, c'est qu'on voit rien. Ah ok, d'accord. Je crois que je suis arrivé au bout. Fait le mort. Ah, c'est pas la danse de Snake ça? Ah si. Dans la merde. Du coup moi je sais pas trop où aller. Je suis un peu paumé à vrai dire. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Ah ben non, t'avais juste trouvé. La sortie. Ah ben non, c'est pas par là. Oula 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 oula, mollet hein. Ah, je suis plus rapide que toi. Bah, faut trouver la sortie quoi. Ah, y a vraiment plein de passages. Ouais, non, il est interdit. Y a vraiment pas mal de passages à prendre. Ah ouais, d'accord. Dire.
Ah mais c'était peut-être pas... Ah ok, non mais... non, bah non, je suis déjà allé là. Ben voilà, je suis perdu. Ah en fait, attends, mais... Je vais aller là-dedans. Ah, il fallait aller là-dedans. Ah mais non. Que je réfléchisse un petit peu. Parce que Miestas perdidos. Pelo. Ah, à moins qu'il faille monter par-dessus ça. Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Ah bah non. J'ai envie de te dire, je suis vraiment paumé. Ça fait où je suis. Tant mieux. Ah, en fait, fallait. Bah non. Bah non, je viens de là justement. Il y a peut-être des portes à ouvrir. Ah c'est ça, il y a peut-être des trucs à ouvrir. Non. Ouais, je suis vraiment paumé, c'est un truc de fou. Là. Ah mais là je suis paumé comme Jaja, hein. Bout de la map. Je sais vraiment pas où aller les mecs. Ah, c'était là? Non, c'est pas là. Ah, j'ai envie de te dire, à un moment, quand t'es perdu, t'es perdu. Hein. Oh mon dieu, je suis à terre! Faut pas déconner. Je suis vraiment paumé. Ah c'était peut-être là qu'il fallait aller. Ah c'était peut-être là. Attends. Bah du coup je ne sais pas. Toi. Ah bah non c'était peut-être pas là. Wow. Un magazine. Magazine masculin bourré d'images sexy excitantes. Suscitera à coup sûr l'intérêt des hommes âgés entre 80. Prenez le magazine avec la touche L1 et posez-le à l'aide de la touche R1. Pour le magazine, continuez à appuyer sur la touche L1 et R1, puis appuyez sur la touche cercle. Oh là, il m'a mis inconscient en me tirant une balle dessus, waouh. Bon. Putain, parce que du coup, moi, je voulais vous laisser sur une petite image. Je peux pas piquer les hannetons. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, c'est trop lourd. Ah putain, mais gros, tu m'as pas vu là. Bon, j'ai envie de te dire que là, je suis vraiment comme une grosse bite. Comme une grosse bite parce que je sais pas où aller, du coup, je pense que je vais arrêter la découverte là. Hop, voilà, je m'enferme dans mon endroit intime. Ah, bah, si, peut-être dans l'objet. Ah, c'est parce que j'ai pas mis les objets. Ah, d'accord.
Ah ok. Est-ce que j'avais pas mis les objets? Ah on a des... Ah on peut aussi mettre des armes. Ah verrouillé, d'accord. Ah ok, et voilà. On a le magazine Playboy visualisé. Waouh. Waouh. Bon écoutez, on va se laisser sur cette belle image, hein, voilà. Cette image pour que les gens puissent venir sur le live, hein. Voilà, écoutez, j'espère, sur cette découverte, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour les let's play. C'était les Flambeaux Soviétiques. Bye bye.